Je suis pourri dans l'âme, y'a moins de soleil en bas, y'a mes paluchons là, y'a les condés dans le bac, il est tard. Don't do that, c'est qui vient de flash? Ah! Ah mec, c'est mort, on s'est fait invade par des streamhackers, encore une fois. On s'est fait invade par des streamhackers au début de la game, c'est pas possible. Si, c'est pas possible, c'est un enfer frère, c'est plus possible. Zach Hit, Chainsaw Man, X-Mango Marcus. C'est ma voiture mon ref. Non mais désolé pour ta voiture mon ref, mais là... Là il faut que je m'en sorte. Oh Zeb. Mais j'en ai marre, pourquoi c'est tout dans le bordel les gars? Je veux juste être tranquille moi. Regarde, je suis poursuivi par des fous furieux à chaque fois. Là c'est pas un côté sauvage, là c'est côté wesh. Non mais les gars, c'est pas les auto-tamponneuses. Non mais Zubi, mais laissez-moi vivre. Mais laissez-moi juste vivre. C'est flashback ici. C'est flashback. Zubi. On dirait le siège bassant de Carrefour, hein, là, c'est gratuit à deux pièces là. Ah mais sérieux wesh. Il a pas de dents. Mais pas, il fait des trucs comme ça. Pourquoi il fait des trucs comme ça? Il a pété un plomb quoi. Man, je suis pas un fumeur de pâle mal dans le moi je prends. Oui, il fait quoi? Voilà, il fait quoi? Ceux qui parlent mal, fatigué, les yeux rouges plissés. Je fume du shit. Quand on avait une dispute qui concernait une autre fille et qu'on était entre guillemets proche de la rupture, j'avais peur qu'elle se dise si jamais on n'est plus ensemble, je veux plus qu'il puisse utiliser sa bite. Et j'avais peur qu'elle décide de me la couper pendant mon sommeil, parce qu'elle m'en avait déjà parlé, tu vois. Elle m'avait déjà menacé. Et du coup, la nuit, déjà j'avais peur de m'endormir avant elle. Et quand je sentais que j'étais vraiment fatigué et que j'allais m'endormir avant elle, je partais dans la cuisine, je prenais tous les couteaux, tout ce qui pouvait être tranché, j'allais dans le garage, je retirais tout, pareil les lames de scie et tout, et je les cachais. J'avais trop peur, frère. J'avais trop peur qu'elle me coupe la bite pendant que je dors. Est-ce que je veux changer, moi? Dis-moi, est-ce que tu vas changer? Ton petit cul. Oh non, laisse-moi mon petit cul, s'il te plaît. Donc ça y est, on va attraper les gangsters. Attends, mais ça y est, tu prends le service pour de bon? Non. Nique ta mère, pourquoi? Parce que j'ai pas de carte graphique. Et du coup, je bug. C'est-à-dire si je roule vite là, t'es en galère? Non, ça va, mais c'est dans le launcher. C'est-à-dire? Bah, dans le launcher 5M, ça full bug. Ok, mais après c'est bon du coup. Ouais, après c'est bon, ouais. Bah voilà. Pourquoi tu casses les couilles? Ouais, voilà. Aïe, merde! Aïe! Je lisais mon chat. Aïe! Bon, vas-y, viens, arrête d'être acharpé, s'il te plaît. On va être sur TikTok, je vais encore me faire vanner tout le temps, ils vont m'insulter les gens de TikTok frère, j'en ai marre. Tout le temps ils m'insultent. C'est du RP nul. Ouais. Parce que je fais du... Après t'es vraiment super naze dans RP. Viens, on fait tous les endroits où les gens ils mettent des morts RP. Tu me reçois? Arrête bud, arrête, c'est bon frère. Mais quoi? Arrête un peu. Mais ça, frère, c'est une bonne idée. Faut pas être sérieux, oui, c'est une bonne idée, mais frère, dis-moi-le autrement, t'es chiant. Mais c'est impossible à dire autrement. Si, les endroits à intérêt, j'aurais compris. Non, t'aurais pas compris, espèce de menteur. Si, j'aurais compris. Ah, le mytho. Mais si, frère, c'est... en fait, c'est ce que je fais déjà, tout le temps. Le mytho, il est amoureux. T'es amoureux? Espagnola, pas gouda. Pourquoi je vais sécher l'espagnol? Ayudame, ayudar. Hagarla, ah non, pas. Ken. Hola, por favor, ayudami.
Hola, hola, por favor. No puedo. Puedo quoi, puedo? Que no puedo. Non, c'est pas vrai. Faut une autre punch. C'est l'étau pour les punchlines de JQ. En bande organisée. Me la faisait. Du l'élégant pétard. Ah ouais, non, vraiment, genre cette punchline, quoi, me fait trop réfléchir. Je sens vraiment le timbre. Alors quand j'entends ça, je cogite, je me dis, mais waouh. Waouh, putain. Eh ben, il en a laissé des gens Mozart sur ses pas. Hein. C'est incroyable. En bande organisée. Bien vu, Sakina. Bien vu, Sakina. Sakina, elle vient de mettre un perme à un mec qui m'a dit je te nique ta mère. Il l'aurait jamais dit, IRL. Tu ne l'aurais jamais dit. Jamais. Heureux. Et si t'avais eu le malheur de me regarder dans les yeux et me dire ça, IRL, je t'aurais chopé par le cou, je t'aurais soulevé comme ça à une main, frère. J'aurais rentré mon autre main dans ta bouche, j'aurais arraché ta langue et je l'aurais frotté contre ton fion. Jusqu'à ce que, frère, tu regrettes tes paroles. Un mec dans le chat, il m'a dit je te nique ta mère, frère. Mais ils se prennent pour qui, Balti? Je jure, ils savent pas qui parle. Vous êtes des fous, les mecs. Mais vous êtes malade. Je vais vous dire un truc. Les gars, ça va être la partie la plus délicate de la vidéo là. Juste avant de vous dire la réponse, mettez pause à la vidéo, écris. Et après on fait quoi? Frérot, on fait quoi? On attend? Il a dit mettez pause, mais après on fait quoi? Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'attends. Je l'ai rejoint à la période où il est à peine sorti. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de bugs, etc. Et ah oui, je me souviens. Je me souviens. Ouais. Et du coup, entre-temps, j'ai eu un accident de moto. Ce qui m'a éloigné un peu de PC. J'étais un peu à l'hôpital. Ouais, et mais du t'es, coup, t'es le deuxième. T'es le deuxième qui a fait une pause à cause d'un accident de véhicule, wesh. Mmh. Ah. Bah, tant pis pour lui, hein. Ok. C'est pas mon problème. Mais Non, t'as bien raison. Chacun sa merde. C'est vrai. Chacun et sa du merde. Coup, et du coup, voilà, je devais repasser la whitelist de ce serveur, mais j'avais pas trop la motivation. Entre temps, j'ai connu Flashback par le biais d'autres streamers. Le sombre que t'as fait que tu peux raconter sur Twitch. Ouais, bah non, mais moi c'était beaucoup de énormément de blagues misogynes, racistes, sexistes, mais sur tout le monde, hein. Toutes les communautés, toutes les ethnies, tous les peuples, tous les sexes, tout le monde, tout le monde y est passé. Hein. Est-ce qu'on peut dire que t'es un ex-raciste? J'ai jamais pensé mes propos, mais je les ai formulés dans le but de blesser les gens. Terrible, mon frère. Ah, j'étais un fils de pute, hein, vraiment. T'es un fils de pute. Ah ouais. Bah, je me suis fait perquise à cause de ça, Loli. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Ton daron, il a du série, wesh. Non, j'étais seul, j'étais étudiant. Voilà, Loli. 12 ou 15 membres du GIGN chez moi. Menottés, plaqués. Ah, voilà. La vie de ma mère. Avec ta tête, je vois trop ta tête contre le sol en train de dire non, mais c'était un troll. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'était que j'ai eu peur, hein. C'est des pourris. Ah, frère. Ils m'ont dit tes études c'est fini, tu pourras jamais voyager, maintenant t'es fiché S, ils m'ont dit des trucs de fou les keufs, hein. Ils m'ont mis un coup de pression. Frère, t'as jamais vu ça. Sur ta tombe, bâtard, on va te faire oublier. Les frères prêtent des peines, on t'envoie du sale après le son L. On n'est pas de la même.